Salut tout le monde, c'est Julius. On se retrouve sur le nouveau jeu Pax Day, si je le prononce bien sûr. Je vais le découvrir, ça fait un petit moment que j'attendais sa sortie. J'avais vu plusieurs vidéos dessus et il y avait des choses sympathiques à tester. C'est un MMO bien sûr. Je suis rentré sur un serveur pour tester et voir si ça vous plaît pour faire plusieurs vidéos et en découvrir un peu plus. Déjà, ce que j'ai commencé à faire, j'ai déjà fait le petit marteau et une hache pour voir comment ça fonctionnait. Il fallait ramasser du bois par terre et la pierre. Bien sûr, le jeu n'est pas en français pour le moment. J'espère qu'il le sera parce que moi et mon anglais, ça va être vraiment nul. Je sais que je dois faire un petit home là. Quand on fait clic droit, quand j'ai le marteau en main, il y a des petites constructions à faire ici pour les petites maisons et tout ça. Bah, va falloir voir ça. Déjà, ce que je vais faire, je vais m'éloigner du spawn. Je vais aller un peu plus loin, je sais pas comment ça fonctionne. Et voir pour m'installer, je sais pas, vers le milieu, peut-être. Ça dépend s'il y a du PVP ou pas, je sais, je connais rien du tout. Pas hésiter à me le dire en commentaire, comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Là, je continue juste à ramasser quelques pierres encore. J'ai vu que je pouvais me faire un petit bouclier. Une petite arme encore. Alors, on va aller dans les crafts vite fait. Alors, je peux faire ça. J'ai 8 bois. Il m'en faut 2. Si c'est bien ça. Alors, il me semble que quand j'ai regardé les vidéos, ça c'est la qualité. Je suis pas sûr. Est-ce que ça descend quand je le crafte? Attention, je le découvrirai au fur et à mesure. Hein. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire le petit bouclier. On sait jamais quand je vais partir, hein, parce que si, sur quoi je tombe, s'il y a des animaux ou des choses comme ça. On verra. Avec la chance que j'ai, je vais encore tomber sur des choses qu'il faut pas. Hein. Là, j'ai un petit bouclier. En bois, mais certes, mais je sais qu'il y aura peut-être du farm. Ça me fait un peu penser au jeu Life is Feudal, où il y aura beaucoup de craft aussi avec la forge et tout. À découvrir. Bon, allez, je vais un peu m'éloigner. On va avoir la stabilité aussi du serveur. Allez, on part. On s'éloigne. Comme ça dit à gauche, là, ça c'est pour crafter. Le hammer, ça je l'ai fait. Et build your home. Au lieu de faire le test ici, je vais le faire plus loin. Allez, c'est parti. Une petite marche. Jusqu'où aller? Alors, il y a tellement de monde ici que je sais même pas où je suis là. Il y a plein de gens là qui traînent là. Il est où mon bonhomme à moi là? Comment je me repère? Ah bah je suis là. Ok, bah là je suis en train de partir vers le nord. Ça se peut qu'au début tout le monde va faire des tests ici et s'installer dans le coin, mais on va partir vers le sud. C'est derrière moi. C'est quand même assez joli hein. Quand on y regarde. Bon, j'ai quelques frises pour le moment. On va peut-être faire des réglages au fur et à mesure. Eh quoi mon bonhomme? On s'éloigne un peu du spawn. Tu fais pas mal aux pieds, mon petit bonhomme, hein, t'es pieds nus. Hein. Je sais même pas s'il peut avoir des dégâts quand on marche comme ça, pieds nus. Mais c'est une vidéo découverte, alors. Pour le moment, on va faire comme ça. Allez, gros rocher là. Bon, à ce que je vois, c'est qu'il y a des animaux. Ça, c'est sûr qu'ils traînent. Ça veut dire qu'il y aurait de la chasse à faire. Mais est-ce que je peux le tuer, celui-là, là? Je peux quand même tester, mais je pense pas, il va partir. Bah oui! Je peux pas lancer ça? Non, non, c'est juste une arme comme ça. Pauvre biche. J'entends. C'est quoi ce bruit là quand je m'arrête là, là? Ouais, c'est pas un petit bruit bizarre, mais. Ah, je sais pas, je continue ma petite route. D'accord. Il y a un ours en face. Je vais peut-être éviter tout de suite d'aller à l'ours. Alors ce que j'aime bien c'est la map. La map. La map je l'aime bien. On peut voir il y a plusieurs endroits que je sais pas ce que c'est vraiment. C'est genre de tombe par exemple ou... Alors, je sais pas. On découvrira. Je vais voir pour venir vers là. Là peut-être dans la zone là où il y a plein d'arbres. Bon, je vais peut-être esquiver quand même cet ours. Je vais passer par là. Cours mon bonhomme, cours. Alors ça j'aime bien comme vue.
C'est quand même joli hein, de loin, sans voir de près. C'est quand même joli hein, comme c'est fait là. Tu mets ta petite base ici ou tu fais un village avec plusieurs personnes. Et t'as une belle vue sur les montagnes. Bon, je continue mon petit chemin. Il y en a un qui est là, en train de faire un petit feu de camp. Moi, je vais peut-être pas aller trop loin pour m'installer. Ah là, quel beau plongeon! Je voulais juste voir comment. Si l'eau était bien, si on pouvait bien nager. Ah, j'ai plus de stamina, je suis en train de mourir. Nickel! C'est pour que je suis sorti. Bon, la preuve, c'est que quand on rentre dans l'eau, on peut mourir hein, si on a plus de stamina. Hein. Allez, juste aller voir de ce côté-là. Et maintenant, je vais voir comment faire ce home. Alors, je vais ramasser ça. Ok, déjà, on peut casser les cailloux. Je vois avec lui derrière moi. Je sais pas, je vais peut-être rester là en attendant. Je sais pas si on peut terraformer la terre. Oh, mais il y a des petits sangliers là. Ah ben, on n'est pas dans Valheim. Alors, ce que je dois faire, je dois prendre le marteau en main. Une clem. Ok, en fait, ça fait une zone comme ça. Quand on clème un endroit, est-ce que je resterai pas là peut-être? L'autre est à côté de moi, mais il y a beaucoup de cailloux que je peux peut-être. Vous savez quoi, je vais me mettre juste à côté de la route. Du petit chemin. Alors là, je peux pas. Là, je peux comme ça. Mais ça va pas très droit. Hein. On va faire comme ça, là, en plein milieu. Voilà, nickel. Alors comme ça dit, là, ça, j'éclaime. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut peut-être faire des constructions. Je vais juste voir dans crafting ce que je peux faire. Il y a un petit feu de camp. Il va me falloir un peu de bois. Et j'ai une hache, de toute façon on va couper un arbre. Allez, on va couper ces petits arbres. Nickel. Bon, je vais continuer de détruire ces arbres pour me faire un maximum de bois. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Celui-là, c'est fait. Et je vais détruire encore celui-là. Ok, bon, je récupère ce qu'il y a par terre là pour faire de la brique. La clé. Voilà, ça c'est tout est bon. Maintenant, mon petit marteau. Je vais quand même faire un petit feu de camp. Dès le début. Alors, ici. Voilà, nickel. Ça c'est cool. Ce que je peux faire encore. Non, ça je peux pas encore de faire. Je vais faire ça. Voilà. Et après ça, il me faut encore de la clé. Hein. Va falloir que j'en récupère là pour faire un petit fourneau. Et la table de craft, faudra d'autres sources. Ok, ça c'est bon. Bah, pour tout ce qui est maison, on va voir si on a le temps de le faire pour cet épisode. Voilà, nickel. Alors, ce que je vais faire, je vais ramasser toutes ces clés qui est à côté. Je pourrais en trouver encore autre part. Voilà, nickel. Ça, on ramasse. Et ça on ramasse. Alors j'ai l'air un peu perdu, bah c'est normal. Hein. Comme c'est en anglais le jeu et apprendre en même temps ce jeu. Bah pour le moment, je trouve les crafts assez cool. Hein. Alors ça c'est pour faire cuire la viande, hein, mais j'ai vu des sangliers tout à l'heure avant. Bon, ça va pas trop. Ils sont partis. Voilà, j'ai juste changé les petites touches en bas là pour changer d'arme. Parce que ça. J'avais les mauvaises. On sera plus rapide comme ça au moins. Nickel. Alors, ça, c'est pour couper le bois. Ok, ça marche. Wooden pegs. Ça, j'ai vu qu'avant il me fallait pour faire la table de craft. On va commencer par ça, comme tout jeu de survie. Et des planks. Désolé pour mon anglais nouveau. C'est normal. Alors, il me faut ça. D'abord ça. Alors je sais pas combien de temps dure un clem après, s'il y a un temps, si on se connecte pas, si ça dure une semaine, 3 semaines. Moi bon, je le verrai, hein.
Je vais pas vous connecter tout le temps pour y jouer. Ça disparaît, on verra bien. Voilà, ça c'est nickel. Alors, dans mon inventaire, j'en ai 100. Maintenant, faire l'attaque de craft. Bon, il m'en fallait juste 40. Et pour faire ça, il me faut quoi là? Alors, j'ai l'impression qu'il faut peut-être apprendre un craft. Il y a un petit parchemin juste à côté. Je vais voir s'il n'y a pas des compétences ici, quelque part à apprendre. Crafting. Ok, je suis qu'au niveau 1 en menuiserie. Il n'y a que des niveaux 1 ici. Combat, bah ça, on regarde pas trop. Bah, on va couper, hein. On va essayer de couper encore des arbres. Rechercher d'autres sources alentours. Ouais, y en a un qui s'est installé là-bas. Des sangliers là-bas. On va essayer un petit peu de combat après pour tester de tuer les sangliers. Voilà, je vais juste voir si ça augmente quoi que ce soit. Là, je suis à ce niveau. Je vais couper encore d'autres arbres. Les alentours. Alors, en skill, je suis là. Hein. C'est juste pour voir si ça augmente en même temps. Non, ça augmente pas. Alors, j'ai fait mon petit bois. Je sais pas s'il faut alimenter le feu aussi. Je vais juste vérifier. Examiner. Campfire. Bon, ça, j'en doute pas. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marque. Faut alimenter le feu. Hein. Non, pas trop. Hein. Ok. On va fouiller les alentours. Voir ce qu'il y a comme ressources que je peux récupérer. Ah bah voilà. Il y a des petits baies qui traînent là. Alors récupère tout. Ça m'a fait combien? 13. Ça me donne 16 en santé et stamina 5. Moi je continue mon chemin. Je sais pas si sur la map je vois maintenant mon emplacement. Ah si, je le vois. On voit une petite maison qui s'affiche. Il va y avoir du monde dans le coin, alors c'est vraiment provisoire ici sûrement. Où je m'installe. Oh, un sanglier qui me court à peau. Attends sanglier, attends, laisse-moi m'équiper de tout là. Voilà, nickel. En fait j'ai le bouclier mais ça changerait. Hein. Bon, je t'enchaîne, hein, c'est pas grave. Nickel. Bah ça me fait une petite carcasse de la viande et tout ça qui va avec. Bah j'ai quand même un peu perdu de santé mais ça remonte. Là je suis à 56, 57. Ok, la santé remonte petit à petit. Oh bah vous savez quoi, vu que j'ai tué un petit sanglier, on va faire un petit peu de viande. En plus les compétences augmentent, je pense plus... Ça il me semble c'est peut-être la qualité, on verra. 132 d'XP. Ok. Dans skill. Ah, ça va augmenter un tout petit peu. Voilà, j'ai une petite viande. C'est celle-là. Bon, va falloir quand même que je me fasse un petit coffre. Alors. Je vais voir si c'est possible. Il manque des ingrédients. Ok, bah pour le moment, c'est mort, je vais juste refaire un petit tour de wooden picks. Voilà. Alors si je dois en faire plusieurs et augmenter mes skills, il n'y a pas de problème. Voilà, j'en refais encore une tournée, comme ça je passe au niveau 2. Là, descends pas trop. Voilà, nickel. Alors normalement, là, je suis au niveau 2. Ok. Je suis au niveau 2. Et maintenant que je regarde dans craft, alors ça se peut que ces petites étoiles, ça débloque c'est les niveaux. Hein. Niveau 3, niveau 4. Non, c'est peut-être pas ça. Alors, c'était là-dedans que je voulais voir. Ça m'a débloqué quelque chose. Alors, j'ai l'impression que ça m'a débloqué cela là. Ça, faut peut-être encore que j'attends. Ah, j'ai peut-être compris. En fait, c'est peut-être la qualité là que ça joue là-dessus. Modérate.
Menuiserie 2 sur 4. Alors, faut peut-être que je sois au niveau 4 pour que ce soit en vert avec une petite étoile comme ça. J'ai que des suppositions au cas où. Alors, ça, j'ai fait. Alors, normalement, maintenant, je peux faire la petite table de menuiserie avant de. Ça repop comme ça l'arbre derrière moi. Ça va tranquille là? Si je mets une petite maison, tu vois aussi repop comme ça? Putain, il y a beaucoup de monde qui s'installe. Faudra que je vois comment agrandir encore le home. Alors, normalement, il m'en manque encore un peu. Je vais recrafter. Encore une fournée. Voilà, nickel. Bon, soit ça m'augmente quand même la menuiserie à chaque fois, c'est pas bien grave. Voilà, nickel. Alors, on va faire cette petite table. Est-ce qu'il s'amuse à taper autour de moi là? Voilà, on pose ici. Et ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça fait en plus ça? Alors, je peux me faire les habits. Et c'est là les habits, ok. Bon, au moins c'était pour voir, hein. Mais bon. Bon bah j'ai plus qu'à recouper ces arbres quoi. Ils sont repop à côté de moi. Allez, c'est parti pour les couper ceux-là. Ça tombe bien, il me fallait du bois alors. Voilà, nickel. Ça c'est coupé. Et je vais juste voir ce que c'est possible. On a déjà posé des petites bases. Il me faut encore de la pierre pour ça. Et de la clé. Bon, j'en ai assez, mais j'aurai pas l'occasion de faire une grande maison pour le moment. Hein. L'important, c'est que j'ai mon petit feu. Et ma petite table. Et ça pour couper le bois. Moi, j'avais fouillé autour. Ah, c'est difficile pour le moment. Hein. Les frises que j'ai là. Ah, peut-être que je baisse peut-être la qualité. Mais pour le moment, on va laisser comme ça. Alors, est-ce qu'il y a de la clé ici? Déjà, je vais m'équiper de mon petit bouclier et ma petite arme. Faut que je cherche près des rochers là. Bon, alors, je sais pas comment. Si je peux taper dessus là pour le casser. Ça, bon, avec la hache, je pense pas que ça va le faire. Mais j'ai pas de craft comme pioche. Ça, c'est des flèches, une petite torche. Non, y a rien là. Faut que je me fasse une pioche. Je sais pas, j'ai vu quelqu'un avant casser de la pierre, mais je sais pas comment il a fait. J'ai pas vraiment regardé. Ah bah nickel, y a des baies ici. En attendant, même si j'ai un peu de viande déjà, on va récupérer ça. Ah, juste passer par chez lui, juste voir ce qu'il a fait. Il a déjà fait le fourneau. Comment on peut voir? Eh, c'est bien mis lui avec son fourneau là. Alors, ces rochers, j'ai l'impression qu'il y a des petits cailloux dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Je crois qu'il y a de la fibre. Ah bah, on va tout prendre là. On va tout piquer ici. Voilà. Les ressources vont être importantes à mon avis au début. Ça c'est bon. Alors que j'ai récupéré quoi? Des genres de fibres. Des petites fleurs. Oh, ça commence déjà à être le bordel dans mon inventaire. Tant que j'ai pas fait de coffre. Pas très bon là. Alors des cailloux, il m'en faut plein. Alors, je vais juste voir pour construire déjà le fourneau. Il me faut encore de la clé. Hein. Je sais pas où est-ce que je vais en trouver là. Est-ce qu'il y en a vers ici? C'est quoi ça là? Oh bah tiens, on prend quand même la résine. Ça peut servir. Bon, allez, moi je vais essayer de me trouver de la clé. J'espère que je trouve rapidement. Hein. Ah, voilà, ça se cachait là, je crois que c'est ça. Mais oui, magnifique. Alors j'en ai combien? J'en ai 20.
Maintenant j'ai perdu ma maison. Allez, tout droit. Comme ça, peut-être en chemin, je trouverai encore un petit peu de clé, si j'en vois. Alors, juste pour voir. Ah bah oui, j'avais pas calculé, mais il m'en manque juste un. Juste un de clé. Faire le fourneau. Ah, c'est pas cool ça. Enfin, il y a tellement de monde dans le coin que. Il y a tout qui part rapidement là. Ça va être compliqué là de tout prendre. Ouais, ces cailloux. Je récupère. Et sur mes rochers là, j'ai pas de la clé ici là. A few moments later. Ah, j'en ai marre de courir, je me balade. La petite clé, elle est où là? Il y en a ici derrière ce rocher? Non, pas du tout. Il y en a pas ici. Ah, lui, il construit déjà une maison et tout. Peut-être ils sont chauds hein, sur le serveur là. Ils sont tous chauds. Bon, allez, je me casse. Hein. Ouais, on cherchait. Alors, je sais pas s'il y a un poids pour l'inventaire pour le moment. Là, j'ai pas l'impression. Je suis bien blindé. Et je suis pas lourd. Je crois que ça a l'air d'aller pour ça pour un moment. Oh, si déjà je vais me couper un gros arbre. Tiens, ça on prend. Des petits champignons. Trop hard. Ah bah oui. Pardon, excuse-moi. Hein. On pourra faire des petites balades dans la forêt et tout. Et il y aura une petite sorte d'économie, je crois, en plus, entre joueurs. Hein. Je suis plus très sûr. Alors, est-ce qu'il y en a vers ici là? Oh, je vais galérer juste pour trouver un clé, quoi. C'est pas cool. C'est comme un petit tuto, hein. Faut suivre les choses. Je vais pas aller partir sur la map et découvrir tout le reste de la map. Ça sert à rien pour le moment là. Déjà se construire un petit emplacement. Je suis paumé dans cette forêt, tout seul, à chercher de la clé. Mais est-ce que je vais le trouver? Alors, ça on récupère aussi. C'est des champignons noirs, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, on verra. Je suis quand même hâte que la traduction, comme ça, ce sera plus simple aussi pour ceux-là qui. Sait pas lire l'anglais. Bon, on monte ici. Hein. Là, tu t'installes là-haut, tu peux avoir une belle vue sur la vallée. Vous savez quoi, on va aller voir. Si je peux monter. C'était juste pour le fun de monter et voir ce paysage immense. Voilà, maintenant il y a beaucoup de monde qui s'est installé juste en bas. Ma maison, elle est vers là, je crois. Enfin, mon petit feu de camp. Mais c'est joli vu d'en haut. Mais qui c'est qui va venir s'installer ici? C'est un peu aride. Hein. Moi qui ai monté juste là pour voir la vue. Ah bah faut surtout pas te glisser. Hein. Je glisse, à un moment donné, je meurs. Hein. Je sais pas ce que ça fait. Bon, j'ai pas trouvé de clé ici, hein, dans le coin. Bah, je vais redescendre. Oula, 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 là. Je suis tenté. Je sais pas où je vais refaire le tour. Ah là, je vais encore mourir. Allez, je retourne à un petit endroit là. Et si je trouve ce qui me manque, ce serait cool. Oh, quel bonheur caché sous un petit arbre. J'ai trouvé enfin. Alors, on va voir ce que ça fait le petit four. Est-ce que ça va débloquer comme craft? Maintenant, où est-ce que je me trouve moi? Ah, ma maison est sur la droite là-bas. Ah, je vais y aller. Je m'en excuse encore pour les petits lags comme ça, mais je pense qu'il y a tellement de monde qui se connecte que ça doit jouer. Hein. Mantium, j'arrive! Ah bah j'ai de nouveau ces arbres qui ont poussé très rapidement. Ils sont cheatés ces arbres. Alors, maintenant qu'on est là, il y a le petit four à faire. Attends, attends, t'énerve pas, j'ai même pas encore posé. Vous savez quoi, je vais me mettre un peu dans le coin pour me laisser la place au milieu. Mais il s'énerve, il veut vraiment te poser là. On va le mettre ici là, dans le coin. Voilà, nickel. Ah, comment ça fonctionne ce truc? Craft. 50 bois. Ça me fera du charbon, j'ai l'impression. Ok. Comment ça s'allume?
Ah voilà, ça cuit. On perd pas de temps ici. Allez, marche tranquille. On va voir. Alors c'est du charbon de toute façon, ça va me faire, mais bon, c'est pas spécialement ça que j'ai besoin. Maintenant pour ce qu'il me faut, il me faudra ça, du wooden beam. Wooden beam. Ok, ça doit être là-dedans. Wooden beam. Voilà, c'est là. Ouais, bah, j'ai pas le niveau, mais c'est pas grave. On va quand même tenter. Oh, ça a l'air d'aller finalement. Bah, vu que j'ai du bois à l'infini avec ces arbres qui repoussent, c'est cool. Mais vaut mieux que ce soit comme ça de toute façon. Alors, il y a ça. Le workbench. Ça, c'est pour les armes. Pour les armures. Et ça, on va voir. On va le mettre dans quel sens. Je pense qu'on peut faire quelque chose de joli. Surtout quand il y aura une petite maison. Il y a tellement de monde qui s'est installé là à côté, ici, là-bas. Là-haut, j'ai un voisin de face. J'ai l'impression que certains ont des clés en carré, alors s'ils connaissent déjà comment faire. Bon, faudra voir. Que le début. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ok. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Evenstone, basique. Ok, bah y a plein de crafts qui ont débloqué. Ça, on dirait des petites trousses. Comme dans Life. Life is Feudal. On peut faire des petites trousses par métier. Ah oui, c'est ça. Hein. Constructeur hammer. Des petites tables. Ok, bah. Il y a même des pots de fleurs. Je vais voir encore ce que je peux faire dans les crafts. Parce que je m'installe quand même bien ici. Hein. Et ça, il faut quoi? Ouais, bah, on dirait du genre de. Le straw. Il va me manquer. Et là, je peux plus rien faire là-dessus. Hein. Alors, ça, je sais pas comment faire encore. Hein. Faire une caisse. Est-ce que ça se trouve là-dedans pour faire la petite caisse? Ah, ouais, c'est là. C'est là. Il me faut des. Des planches. Des genres de planches comme ça. Allez, fais-moi ça, j'ai encore assez de bois. C'est juste pour ranger un peu mon bordel dans mon inventaire. Hein. Que j'ai pas besoin. Voilà, nickel. Ah, c'est quoi, on va refaire une petite tournée. Voilà, ça c'est cool. Et maintenant, normalement, je peux me faire ça. Voilà, une petite caisse. Je sais pas comment ça fonctionne la protection ici. Hein. On verra, je pose une caisse. Si on vole des choses, bah. C'est que c'est pas protégé. Alors maintenant, je peux faire la petite caisse. On va la mettre là. Alors j'espère juste que je pose mes tables et tout ça, que je pourrais les déplacer. Faudra que je trouve comment faire. Il y a tellement de choses à voir dans un jeu de survie que on n'est jamais sorti d'affaire tout de suite. Alors, ce que je vais poser, c'est les pots. Ah, juste à. Alors je peux choisir private, public ou clan. Ok, bon, il y a un petit clan qu'on peut faire. On va poser ça comme ça. Ça comme ça. Le bois, tout ça, je vais garder. Ça, on va poser. Ça aussi. Les champignons. Et je les ai mangés. Super. Ah, c'est pas cool. Hein. Est-ce que je perds de la vie? Ce champignon noir, je sais pas si c'est bon de le manger. Hein. Oh, c'est bon, je récupère de la vie. C'est cool. Là-dedans, c'est encore en cours de fabrication de charbon. 15 minutes. Oh, maman, mais 15 minutes, ça va être long, ça. Bon, ça, on verra. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Moi, bon, je vais quand même me faire une petite torche, tiens. Je sais jamais s'il va faire nuit. Mais après tout le reste, je pense que je peux le garder. Ah, le temps que je trouve quoi ça va servir, hein, faudra que je range tout par sorte. Que je fasse plusieurs caisses. Bah tiens, je vais en faire encore une. Pour au moins la nourriture.
Faut ranger directement correctement, hein, sinon ça va être le bordel. Alors pour la nourriture, on va le mettre là, juste derrière. Voilà, nickel. Et là, je vais mettre les baies. On verra s'il y a une durabilité. Enfin, c'est ça, périme. Voilà, ça, on range ensemble. Voilà, tout ce qui est bon, on va mettre là. Là, j'ai la petite viande à manger. Alors, si je la mange. Je comprends pas, j'ai l'impression que je perds de la vie là. Vas-y, mange. Ah bah, je peux plus manger. Bon, sur ce, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai déjà fait le plus gros déjà. Entre les crafts et les constructions. On verra par la suite au prochain épisode. Voir comment j'avance dessus. On va faire plusieurs vidéos. Hein. J'ai pas encore tout découvert. On va faire la prochaine fois voir si comment je peux faire la petite construction de la petite maison. Construire une autour quoi. Et lui il vient couper mes arbres à côté. Je sais même pas si dans mon home, tiens, juste pour voir. Non non, c'est à l'extérieur. Mon pauvre. Allez, à bientôt hein. Voisin, je sais pas qui t'es. Et on se retrouve pour une prochaine la prochaine fois. Allez, sur ce. À la prochaine. À plus.